Donc, grand 7, grand 7, contrôle de la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Donc, contrôle de la réaction d'estérification et hydrolyse. Comme j'ai dit, la réaction d'estérification ou bien d'hydrolyse est une réaction très lente. Donc, la durée de la réaction, c'est à peu près 200 heures. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent d'accélérer ou bien d'augmenter la vitesse de la réaction? Et pourquoi pas augmenter le rendement? Ça veut dire l'état final du système. Ou bien déplacer, donc augmenter le rendement, c'est déplacer l'équilibre vers la formation de l'ester. Donc les réactions d'estérification, donc les réactions d'estérification, et d'hydrolyse sont lentes. Donc, comment peut-on augmenter la vitesse de la réaction? La vitesse de la réaction. Ou bien augmenter le rendement. Et le rendement. Donc la question, c'est comment augmenter la vitesse de la réaction et augmenter le rendement. Donc petit 1, contrôle de la vitesse de la réaction. Donc contrôle de la vitesse de la réaction. Donc, on prépare un mélange entre l'acide et l'alcool pour préparer un ester. Donc, on va faire des expériences. Donc, plusieurs expériences. Une expérience où on utilise un catalyseur et une expérience sans utiliser un catalyseur. Donc, et on voit, ou bien pour dire, ou bien pour voir l'influence du catalyseur sur la vitesse de la réaction. Donc, on a deux courbes. Donc, la courbe 1, 100 H+. H+, c'est le catalyseur. Donc, H+, c'est le catalyseur. Donc l'expérience 1 sans catalyseur, ça veut dire on n'a pas utilisé un catalyseur. Et l'expérience numéro 2 avec H+, ça veut dire avec catalyseur. Donc on voit dans l'expérience 2 que l'état final atteint à 25 heures. Donc le catalyseur permet de diminuer la durée pour atteindre l'état final. Ou bien, autrement dit, que le catalyseur. Donc, ce graphe montre que le catalyseur permet d'augmenter la vitesse. Pourquoi? Parce que avec le catalyseur, la durée de la réaction, ou bien la durée pour atteindre l'état final, c'est 25 heures. Mais sans utiliser le catalyseur, donc la durée pour atteindre l'état final, c'est à peu près 100 heures. Donc, le catalyseur permet de minimiser la durée pour atteindre l'état final. Mais le catalyseur ne permet pas de modifier l'état final. Donc, ou bien la quantité de matière théorique, par exemple ici 0,6 mol. Donc, la quantité de matière finale de l'ester, ça veut dire N final de l'ester, égale à 0,6 mol. Ça veut dire avec catalyseur ou bien sans catalyseur,
La quantité de matière finale, c'est 0,5. Donc, la température, le catalyseur permet d'augmenter la vitesse. Ou bien, il y a une influence sur l'état final. Il y a une quantité qu'il y a 0,6 mol de Lister avec catalyseur ou bien sans catalyseur, il y a 0,6 mol. Donc, récapitulation. Donc, pour augmenter la vitesse, on utilise un catalyseur. Mais cela ne modifie pas l'état final, ça veut dire le rendement. Deuxième expérience. Donc, la préparation de l'acide se fait en plusieurs températures. Ici, la température 15 degrés C, 100 degrés C, 170 degrés C, 20 degrés, 200 degrés C. Donc, le but, c'est étudier l'influence de la température sur la vitesse de la réaction. Et on voit que si l'augmentation de la température permet d'augmenter la vitesse de la réaction. Si on utilise la température 200 degrés C, la durée pour atteindre l'état final, c'est 25 degrés C. Si on utilise la température 100 degrés C, pour atteindre l'état final, on a besoin de 100 heures, et ainsi de suite. Donc cette expérience montre que la température, ou bien l'augmentation de la température permet d'augmenter la vitesse de la vitesse de la réaction. Donc je vais écrire cette définition. Donc pour augmenter la vitesse, donc pour augmenter la vitesse de la réaction d'estérification ou bien hydrolyse. Donc, elle est possible d'utiliser un catalyseur. Donc, il est possible d'utiliser un catalyseur ou bien d'élever la température. Donc, notez bien. Donc, le catalyseur et l'élévation de la température. Permet d'augmenter la vitesse. Donc notez bien. Donc le catalyseur et l'élévation de la température permet d'augmenter la vitesse de la réaction. Donc juste la vitesse de la réaction, sans modifier l'état final ou bien le rendement. L'état final, entre parenthèses, le rendement. Yani anna ila kan ghi tkoun liya la quantité de matière formée de l'ester 0,6 mol, ra ghi tkoun liya 0,6 mol avec l'utilisation du catalyseur ou bien sans. Ou bien si on augmente la température ou là si on abaisse la température. Yani la température ou bien le catalyseur permet d'augmenter la vitesse de la réaction, donc sans modifier le rendement ou bien l'état final. Donc, petit 2,